Aujourd'hui, on va changer de sujet. On va parler de Jeannette Bougrabe qui vient de sortir un livre fort intéressant sur l'islamisme. Je rêve d'un autre monde où la terre serait ronde. Alors un autre monde, oui, effectivement, on a le droit d'en rêver. Ouais. Donc vous avez rencontré Jeannette Bougrabe, qui publie Thierry, Lettres d'exil, La barbarie et nous, édition du Cerf. Alors, c'est un manifeste pour la laïcité, pour la République, pour le respect des lois. Et évidemment, elle poursuit, Jeannette Bougrabe, son combat contre l'islamisme radical. Jeannette Bougrabe a été secrétaire d'État il y a quelques années à la jeunesse. Et en fait, on a appris, après les attentats de Charlie Hebdo, qu'elle avait été la compagne de Charb, qui a été assassinée. Ce qui s'est passé après, donc évidemment, le drame de perdre son compagnon. Elle a reçu pas mal de critiques. Certains l'ont traité de mythomane parce que cette liaison était secrète. Donc certains ont dit, mais c'est pas vrai. Elle ment. Elle prouve en tout cas dans ce livre qu'elle a vraiment été la compagne de Charles. Donc elle a perdu en plus sa mère. Donc elle est partie. Elle s'est exilée en Finlande. Et pourquoi, voilà, ce livre, Lettres d'exil, parce que depuis la Finlande où elle habite maintenant, elle était de passage quelques jours à Paris, elle a voulu parler comme une femme libre. Elle dit, je suis fille de Harki, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, on ne transige pas avec la République. Nous l'avons rencontrée, regardez. Bonjour Jeannette Bougrabe. Bonjour. Vous écrivez, ce livre est celui d'une Française, arabe et musulmane, excédée d'entendre autour d'elle que sa culture est pure tolérance alors que la violence y est omniprésente. Vous diriez donc que votre livre, c'est à la fois un coup de gueule et un cri d'alarme ? C'est d'abord un cri de colère, un cri de colère devant cette espèce d'aveuglement et ce refus de voir la réalité telle qu'elle est. Il y a eu cet attentat à Marseille où deux jeunes filles ont été une égorgée, l'autre éventrée. Alors je me dis, il faudra encore combien de morts pour se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un poison qui a été distillé dans les têtes de certains gamins et qui sont prêts à commettre les pires actes barbares dans notre territoire. J'ai envie de vous dire, à qui la faute ? Est-ce que les politiques du monde entier n'ont pas laissé ces fondamentalistes s'installer, gangréner ? Je pense qu'on a tous une part de responsabilité parce qu'on a accepté de faire des compromis avec ce qui n'était pas négociable, à savoir le modèle républicain, le principe d'égalité, l'école. Il n'est pas normal qu'en France, que des gamins qui sont astreints à une obligation scolaire jusqu'à 16 ans, ouais, n'aillent plus à l'école, mais sont beaucoup plus assidus dans des mosquées qui sont dirigées par des imams radicaux. L'islam tel que le pratiquaient nos parents, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on voit des gamins qui nous proposent une vision, une conception de l'islam que nous n'avons jamais connue, que les gens en Algérie n'ont jamais connu. Ce qui est terrible, c'est-à-dire que même après les massacres de Charlie Hebdo ou de l'hypercacher, des enseignants n'ont pas réussi à faire respecter une minute de silence dans les classes. Qu'est-ce que c'est que cet État ? Quelle est cette République où les instituteurs ou les professeurs n'arrivent pas à faire respecter cette minute de silence ? On ne peut pas les y contraindre s'ils ne veulent pas, on est d'accord. La question de l'autorité est essentielle, vous comprenez, ce proviseur qui vient d'écrire un peu ses mémoires dénonçant ce radicalisme plus que rampant dans les établissements scolaires où, à Marseille, où il était proviseur, il a refusé un enfant juif parce qu'il savait pertinemment qu'il serait agressé par ses camarades de classe. Aujourd'hui, on ne doit pas accepter que des gamins agressent d'autres gamins parce qu'ils sont juifs. C'est l'exclusion. C'est d'ailleurs qu'on ne doit pas sortir de l'école cet enfant juif, mais on doit sortir les autres. Mmh. Voilà. Et quand un enseignant n'est plus capable de se faire respecter, c'est que là, il y a un problème. Mais du coup, si je vous écoute et je vous suis, la faute n'est que du côté des enseignants ? Non, la faute n'est pas aussi, on peut... la faute n'est pas des enseignants, bien évidemment. Je l'étais moi-même, donc je sais à quel point la tâche est difficile. La seule chose, c'est un délitement des institutions, de la famille. Et on le voit bien avec la radicalisation dans la famille Mera, c'est que le frère aîné explique bien que les propos antisémites étaient tenus à l'intérieur de la famille. C'est la famille qui a été à l'origine de tout cela. Vous savez que votre livre va déranger probablement certaines personnes. Vous n'avez pas peur pour votre propre vie ? Non. Non, jamais. Peut-être un jour que ça me coûtera très cher. Enfin, ça m'a déjà coûté très cher. Et peut-être je paierai encore le prix encore plus élevé que celui que j'ai payé. Mais je préfère pouvoir me regarder le matin dans un miroir et être en conformité avec les principes et les valeurs que je défends et qui m'ont été transmises par mes parents. J'ai eu l'occasion d'aller au Pakistan. J'ai été dans le Swat, là, dans cette région où Malala a été victime d'un attentat. Et je me dis, si une gamine de 11 ans a été capable de défier les talibans, qui aujourd'hui, Malala, prix Nobel de la paix, parce qu'elle voulait juste aller à l'école, donc elle a défié ces talibans qui interdisaient aux filles d'aller à l'école. C'est pas une femme de 44 ans qui devrait avoir peur. Merci beaucoup, Jeannette Bougrabe. Bon retour en Finlande. Merci beaucoup. À bientôt en France, alors. Inch'Allah. Merci.
Damien, vous avez été marqué par cet entretien. Oui, 25 minutes, ça a duré 25 minutes, il a fallu réduire à 4 minutes, mais c'est une femme libre qui parle, elle dit « je ne veux pas me taire, je veux dire ce que j'ai à dire ». Ça s'appelle donc « Lettre d'exil, la barbarie et nous », édition du Cerf, Jeannette Bougrabe.